Dans la déclaration finale Wana Metlan, après plusieurs et de discussion en deux délégations qui étaient déroulées dans la locale zone franche Côte d'Ivoire, Premier ministre Laurent Lamothe fait qu'on a, c'est une rencontre historique qui permet de faire progrès sur plusieurs dossiers importants. Chef gouvernement a précisé, parti haïtienne a demandé et puis joint bon côté gouvernement dominicain, garanti droit fondamental tout le monde qui a racine en Haïti qui a vivre l'autre frontière à respecter. En attendant la question, ça a redébattu encore 3 février. Laurent Lamothe dit deux pays yo en tant yo pour yo réunir chaque premier lundi dans un mois en présence même observateur yo et puis y a travail pour remettre commission mixte Haïti République Dominicaine dans campé. Nous invitons suivre un extrait dans déclaration finale rencontre là. Premier ministre haïtien yon tapli dans micro envoyé spécial Télékiskéa nan Wana Metlan, Gérard Maxino ak Philippe Augustin. Déclaration conjointe entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement de la République dominicaine. Les représentants des gouvernements de la République d'Haïti et de la République dominicaine se sont réunis à la ville frontalière de Wanamende, le mardi 7 janvier 2014, dans le cadre de la reprise du dialogue initié par les présidents Danilo Medina et Michel Martelly à la République bolivarienne du Venezuela lors du deuxième sommet spécial Alba Petrocaribe. Les deux pays ont convenu de qualifier d'historique le dialogue franc et les avancées réalisées dans la quête de solutions conjointes. Au fin d'avancer sur un agenda commun aux deux nations, une méthodologie de travail et les questions à discuter lors des prochaines réunions ont été arrêtées par les parties au cours de cette rencontre. Il a été également convenu que des réunions régulières se tiendront chaque premier lundi du mois, alternativement en Haïti et en République dominicaine. La prochaine réunion se tiendra le 3 février prochain en territoire dominicain. Les représentants des deux États ont réaffirmé leur intérêt commun d'inviter des représentants de la République bolivarienne du Venezuela, de l'Union européenne, des Nations unies et de la CARICOM à prendre part aux différentes réunions à titre d'observateurs. Ils pourront formuler des recommandations et fournir leur expertise sur les différents sujets traités. Il a été également convenu d'inviter à ces rencontres des représentants du secteur privé des deux États qui ont soutenu depuis des mois des rencontres formelles. Les deux parties se sont entendues sur la réactivation de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine pour assurer le suivi des décisions prises dans le cadre de ce dialogue de haut niveau, ainsi que pour mettre en œuvre les accords précédents. Une bonne partie de la rencontre a été consacrée à la question migratoire. Les deux parties ont convenu de signaler que le dialogue s'est déroulé avec sérénité et respect mutuel, a été franc, a été constructif et a été transparent. Tout en reconnaissant le droit souverain de la République dominicaine de déterminer sa politique migratoire et les règles pour l'octroi de la nationalité, la partie haïtienne a sollicité la garantie que des mesures concrètes soient prises pour sauvegarder les droits fondamentaux des personnes d'origine haïtienne. La partie dominicaine a confirmé cette garantie. De plus, la partie dominicaine a annoncé l'adoption dans les prochaines semaines d'une loi additionnelle qui adressera tous les cas non pris en compte dans son plan de régularisation. Les deux parties ont reconnu que le sujet n'a pas été épuisé à cette rencontre et sera discuté à nouveau à la prochaine rencontre le 3 février prochain.